Astuce pour les gens qui ont la main dure. Vous savez, il y a des gens parmi nous aussi dehors. Ils n'ont pas la chance qu'on leur donne l'argent. Ils ont tout, mais ils n'ont pas la chance que les gens leur donnent la main parce qu'ils ont un mauvais front. Comment vous allez faire si toi tu es un homme ou si toi tu es une femme? Si tu es une femme, tu vas chercher 7 kilos de jouets comme ça. Je dis bien 7. Parce qu'il y a des gens parmi vous, 7 kilos de jouets en bonne santé. Il y a des gens parmi vous, quand on les parle, ils disent qu'ils maîtrisent. Tu comptes comme ça. Dis bien 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça c'est pour la femme. Si tu es un homme, tu vas utiliser 9 clous de girofle. Tu vas prendre 9 clous de girofle. Tu cherches une bassine comme ça là qui est neuve. Je n'ai pas dit un truc qui est utilisé. Un truc qui est neuf comme ça là. Si tu es une femme que tu cherches pour ton argent, que ce soit les gens de ta famille ou bien ton cher coco ou bien n'importe qui, l'argent en général, tu vas prendre l'argent que quelqu'un va te donner. L'argent qu'on t'a donné, c'est cet argent que tu vas travailler avec. Tu prends cet argent que quelqu'un te donne, que ce soit un billet ou bien en pièces. L'argent que quelqu'un t'a donné comme ça, tu vas prendre cet argent. Tu prends 7 clous de girofle comme ça là. Ça, c'est pour les femmes. Si c'est les hommes, ils vont prendre 9 clous. Vous rentrez maintenant, vous cherchez maintenant ça. On appelle ça le basilic. Vous allez prendre 7 feuilles de ça. Ça, c'est découpé. Vous allez prendre 7 feuilles de basilic pour les femmes et 9 feuilles de basilic pour les hommes. Vous prenez le clou de girofle. Vous allez mettre l'eau dans cette carafe qui est neuve. Une petite bassine carafe comme ça là. Vous voyez ce qui est neuf. C'est mieux pour faire ce rituel avec. La femme va prendre 7 et l'homme va prendre 9. Maintenant, quand tu mets l'eau, tu lances les 7 clous de girofle à l'intérieur pour la femme. L'eau là maintenant, tu vas prendre la basilic, les 7 feuilles de basilic. Tu vas faire comme ça là. Tu laves avec ça. Tu vas frotter la basilic pour que tout l'eau de ça va sortir à l'intérieur. Quand l'eau ça descend maintenant, tu rentres maintenant, tu fais tes vœux. C'est très très important. Tu fais tes vœux, tu parles ce que tu veux. Mais avant de faire d'abord les vœux, tu vas prendre l'argent qu'on t'a remis. Tu prends un billet ou bien une pièce sur ça. Si l'argent était en pièce, tu prends un billet. Si c'était en billet, tu prends un billet. Tu trempes l'argent dans l'eau là. Après, tu mets ça au soleil maintenant. Là. Quand tu finis maintenant là, de faire tes vœux et tout, tu pars te laver avec cette eau là. Et tu ne mets pas l'eau de toilette parce que tu as 3 jours pour faire ce rituel à la même heure. Tu ne te sèches pas, tu ne mets pas l'eau de toilette sur toi. Tu fais comme ça là pendant 3 jours à la même heure. Hein? Quand tu fais comme ça là, évite de faire ça avec un autre argent, le même billet que tu as fait là, c'est le même billet que tu vas faire demain, c'est le même billet que tu vas faire après demain. Fais ça.